Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre petite aventure bien démarrée, je dois l'avouer. Ici, il me semble qu'on n'avait pas pris tout ce qu'on voulait. Donc demi-tour. Founders Force. Ah. You there? Affirmative. Who's this? I'm with the movement. Our commander's ordered a retreat, but we want to stay and fight. Already lost too many people to those chrome bastards to run away again. What are our orders, sir? Alors, vous ne pouvez pas quitter le secteur sans combattre les forces de Légion. Bien sûr. Welcome to the Founders. Ok, donc du coup, on a récupéré quoi? Un fourgon avec une mitrailleuse et une automitrailleuse. Et encore plus de personnes ici. Ok. Putain oui, bah, vachement de monde en fait. Vachement de monde. Et bah du coup, prenez position dans la base. Allez-y. Les véhicules, pareil. On fera le tri après. C'est à peu près tout, très bien. Ici du coup, j'aimerais bien que vous me ramassiez un peu d'équipement. Qu'est-ce qu'on a du coup? Donc un fusil de précision M2010, lance-grenade de 40 mm, c'est déjà ce qu'on a a priori. Alors, un fusil de précision... C'est difficile de savoir lequel serait le meilleur, celui-là m'a l'air mieux quand même, hein. Ouais. Sans connaître l'équipement... Est-ce que dans l'encyclopédie on a des infos là-dessus? Ah, on a récupéré des fusillés. Des tireurs d'élite. D'accord, enfin on les a découverts en tout cas. Par contre, on n'a pas d'infos détaillées sur leur matos. Mais maintenant, on en sait plus sur les maraudeurs, mais pas sur le cartel. Je pensais que c'était le cartel, mais non, lui c'est vraiment un maraudeur. Ok. Donc on connaît leur camion. On a éliminé un peu tout un tas de trucs. Des chiens de guerre, généralement d'anciens militaires d'élite. Ok, très bien, donc pas de soucis. On va récupérer ce truc amélioré, et donc on a... Non, on a que des milices, hein. On n'a pas eu de chasseurs. On a dû les découvrir parce qu'ils ont combattu, mais c'est tout. Ok, vous chopez ça. Le MV, il est arrivé. Très bien, hop, vous sortez. Vous fouillez ce bâtiment. Parfait. Vous sortez. On va aller récupérer le Bradley. Alors le Bradley, il est là. C'est parti le MV. Tu fonces ici. On récupère les squads de chasseurs de chars. Vous avez récupéré ce qu'il faut. Donc du coup on a des munitions pour le fusil de précision de haut calibre. A priori c'est mieux hein. Donc c'est parfait, du coup faut vous replier dans la base, en avant. Et on pourra peut-être mettre des gens dans le Bradley. On va voir. J'espère qu'il a des munitions ou autre truc. Allez là, tout le monde sort. Ok, vous prenez ça. Vous prenez ça. Vous rentrez là-dedans, et donc là on a comment? On a du carburant, on a des munitions, excellent. On va pouvoir transporter eux, excellent. Vous, go ici, là du coup. On peut lancer la discussion. Ah, great. More scavengers. Balzano told me he paid you well for fixing his vehicle. Wish I knew what you were talking about, but I don't. Go bother someone else. Billions of people dead. And you ain't one of them. Okay. Bon, il veut pas vraiment nous aider. Sans grande surprise. Go. Là, ils sont en train de traverser. Il va falloir qu'on se grouille le cul. Allez, rentrez là-dedans. On répare vite fait. En tant qu'ils arrivent. C'est parti. On se replie sur la base.
va commencer à se placer. Alors, du coup, l'objectif, ça va être de pas les déclencher trop tôt. Donc, on va pas se mettre ici. Je m'étais mis ici dans la démo. C'était pas idéal. On va mettre. Ici, on peut mettre 13 personnes. Donc, on va mettre une équipe de lance-roquettes, notre infanterie, une demi-lice. Donc, un fourgon par là, une escouade de lance-roquettes. C'est quoi votre portée à vous? Assez bonne, mais pas non plus ouf. Hein. Si je les remets vraiment là-bas, ça va être un peu loin. Bah, si on marque ici, ils seront pas mal. Mettez-vous là. Toi, tu viens là. Vous allez vous mettre ici au sol. Il va nous falloir du monde de l'autre côté, probablement. Où sont nos autres infanteries là? Il y en a une ici. C'est où? Où est-ce qu'on est? Ok, c'est là. Oui, donc c'est hyper mal placé. Ça, ce bâtiment, et on peut pas rentrer dedans parce qu'on est trop nombreux. Ouais. Donc venez ici pour couvrir un peu les arrières éventuellement. Pareil, toi tu vas te mettre un peu plus derrière. Si jamais il y a les araignées derrière qui décident de nous attaquer, on saura se planquer. On peut mettre 10 personnes dans ce fourgon quand même, c'est pas mal hein. Vas-y, viens là. Ouais, donc quoi que non, mets-toi juste ici. Ici. On va dropper la mitrailleuse là. On a personne pour prendre ça du coup. Il faut une. Ah, il pourrait le prendre. Il pourrait le prendre, allez-y. Donc, ici, on a posté nos ATGM par là. Si jamais il y a de l'araignée qui arrive, on pourra se démerder plus ou moins. Le Bradley, il est temps. Vas-y, viens te mettre là. On a caché tout le monde, ça y est. Ici, est-ce qu'ils ont envie de bouger un peu? Ouais, on a des chiens qui se baladent. Donc l'objectif, ça va être de mettre tout le monde en mode... bouclier, mode embuscade. On va se mettre tout ce monde en bouclier. Hop, tout le monde en embuscade. Hop. On va pas oublier de les changer après, bien sûr. Le Bradley, il a encore du commando dedans. Hein. Le Bradley, on va le mettre dans cette direction là. Il va couvrir ce flanc. On va les mettre ici au sol, peut-être même un petit peu plus devant. C'est les chiens derrière qui m'inquiètent un peu là. S'ils décident de se pointer. Mais bon, on a quand même une belle position d'embuscade. Eux ils sont au sol. Eux ils sont au sol, ils pourront utiliser leur lance-grenade en cas de problème. Là s'il y a des trucs qui se pointent, on saura les allumer. Les ATGM sont probablement pas idéalement placés, mais on verra si on a des unités lourdes qui se baladent. Ok, petite session un peu plus calme. Ah, ça c'est des unités d'ingé, ça c'est cool. Ici aussi, et ici aussi. Okay. All the locals Legion has found? I told you, they want us all as prisoners. Ah, on a des drones là. Nuée de reconnaissance, c'est ça, passer vers le bas.
Allez, ils ont récupéré des civils. Ok, les chiens ont fait demi-tour ici, on dirait, c'est plutôt bien. Ok, bah du coup tout le monde sort du mode défense et puis on va aller péter des culs. Alors la tourelle va probablement rester là du coup. Par contre je pense qu'on va prendre les ATGM, le Bradley et quelques automitrailleuses là. Et on va aller attaquer ce camp. C'est parti, parti par là, on va prendre vous et vous. 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 Et j'aimerais bien prendre aussi les commandos. Et là, on va être bien placé pour une petite embuscade sur ça. Ok, ici on est en train de se déployer. On a un beau tir pour nos ATGM là, ça va être excellent. Allez, préparez-vous à tirer sur ça. Oh, on a une portée là. Excellent. Ça, ça fait de la diversion ça. Faut pas qu'il passe devant parce qu'il est pas hyper blindé, on va dire. Mais là, ça serait bien que lui, on puisse le shooter un petit ATGM. On est un peu loin, il y a des trucs sur le champ de bataille, mais enfin, sur le chemin. Mais on va soutenir. Allez, go! Là, ils sont en train de s'infiltrer par contre, dans notre dos. On va se déployer un peu. Ah putain, ici il y a deux araignées là. C'est pas cool. On va peut-être récupérer notre Bradley. Vas-y, viens là, mec. L'araignée elle est en train de reculer. Ok, très bien. Au sol, vous. On avance. On avance. On avance. On avance. Vous allez rester là. Si l'araignée sort de son trou, on l'allume. Il a réussi à prendre un char carrément, deux araignées, des plateformes de transport. Par contre, il y a du monde là sur ce champ là, il va falloir qu'on aille nettoyer, donc il va falloir qu'on progresse. Ici, ça donne quoi? On est sur du bâtiment faible. Hein. Chopez ça, vous. On va
va essayer de tenir. On a avec nos escouades de lance-roquettes là, on arrive à gérer les araignées qui se pointent. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut... Putain, ça c'est du bâtiment en ruine de toute façon quoi. Il n'y a pas de miracle. Là on est caché derrière ça en espérant que ça explose pas. D'ailleurs on va même s'éloigner un petit peu je crains. Ici on va retaper ça vite teuf. Pareil pour toi. Essayez de prendre ce bâtiment vous. Ouais, enfin, quoi que... On va dire que les endroits pour se cacher sont clairement pas idéal. Les chiens qui sont en train de nous charger là. Non. Feu. Putain, on a un peu explosé là. On a perdu un mec. Waouh. Ah ça y est, l'araignée a été shootée mais elle a eu le temps de nous mettre un tir. Réparer. Ça c'est des drones de reconnaissance. Des drones explosifs, ok c'est de la reconnaissance. Okay, là, ils sont en train de réparer un petit peu au milieu du fight mais ça devrait être géré assez vite. Ok c'est fait. Bon, on a quasiment neutralisé ce truc. Désormais, on va pouvoir avancer. Ici, on retape. On va reculer avec les ATGM. Il y a plus de chances qu'ils nous servent là-bas. Il va falloir qu'on se recharge, donc on va probablement les envoyer dans une... dans un véhicule. Mais d'abord, revenez par là. Ici, du coup, on tient. We know where to go next. Sir, too many of us fought and died to just abandon this area to the Chromes. The movement will help us clear them out of here if we get back to our base and send them an emergency signal. Good idea. Let's go. Ah, faut aller là. Ok, on peut mettre combien là-dedans? 11. Et on est 11. Donc c'est parti, on va prendre ce bâtiment. Et du coup, on va progresser un peu. On le fait à la Total War en mode espace pour voir ce que font les unités. Tac. Bon, eux ils vont rester un petit peu derrière pour le renfort. Là on replie les ATGM, il va falloir qu'on nettoie la zone. Go. Vous êtes en état. No leaving this sector until we've secured it for the movement. Sending out the code. Attendez, il nous a dit quoi, Mason là? On a fait sauter la base trop tard. Ok, c'est pas très grave. C'est ça. Au sol. Alors le messager au milieu des trucs pour le moment ça me paraît un peu tendu. Donc on va se détendre. Notre unité d'ATGM elle est où? Elle est bientôt là, je voudrais qu'ils aillent dans ce truc là pour se recharger en ATGM s'il vous plaît. Ici je vais avancer. Got it. Whatever you say. Ranger here.
on their way. Lieutenant, I'm headed to you with another prisoner. We're both armed with sniper rifles I found. Trust me, I'm a fine shot. As you'll see when I join your team. We need somewhere new. We're here. Running. Ok, c'est parti. Courez les gars. Tac tac tac, attendez, ils sont là-bas. C'est ça, faut qu'ils suivent cette route dans la pampa. Plutôt cette route là, ok, plutôt cette route là. Avec le brouillard de guerre on voit pas grand chose. Ok, courez jusque là déjà. T'as quoi toi? Appareil à IUM. Cours de piratage informatique. Les véhicules peuvent être piratés. Ok, donc on peut pas pirater genre les homoncules ou autre. C'est bon à savoir. Il y a des ennemis là. Ah oui, c'est la nuée de reconnaissance. Là du coup, eux, ils sont en train de gérer quand même, hein. Mine de rien, avec le tank en renfort derrière, donc a l'air d'être un petit peu dans le mal niveau canon. Donc il faut qu'on nettoie cette zone-là, qu'on progresse pour libérer le chemin pour les civils. On va laisser eux là pour tenir le coin. Alors envoyer un message aux troupes resto camp. Non, ça c'est bon, évacuer les civils, on est en train de s'en occuper, tenez la base du mouvement, c'est en cours, vous au sol, vous serez mieux. Ah, ils ont des AP eux. Ah, ils ont quand même un angle de tir potentiel, même s'il y a ces foutus trucs devant. Okay, voilà, on va la replacer, on va prendre le temps de la replacer. Ici les ATGM sont rentrés. Ok, déjà, lâche tes ATGM. On va les envoyer là. Là c'est du bâtiment faible tout ça. Ouais, donc on va les envoyer peut-être un peu plus proche, genre ici. Toi, tu récupères ça, tu nous la replaces mieux. Il y a des choses à faire, hein. Ici on progresse, le MV en même temps, s'il vous plaît. Les civils là, ils sont en train de courir, c'est bon. Parce que du coup, il y a des petits robots qui sont en train de passer, ils sont en train de taper sur les transformes, sur les plateformes de transport. Le char s'est réparé, excellent. Bon, par contre, il y a du monde qui arrive là. Oh putain, il y a des REV6. Les REV6, c'est pas le bon plan, hein. Je vais prendre cette petite hauteur, ce serait bien. Ici on tire sur des trucs, ok, très bien. Attention au tir potentiel d'unités, comment dire, un peu énervé. Vous venez plutôt par là. On va avoir des bons angles de tir avec les RPG. Quoi, t'as dû poser ta tourelle là, vas-y, viens la lâcher ici. Il y a des angles à la con, là ce serait bien. Il faudrait que t'avances un peu. Ok, on a un bon angle de tir pour les unités lourdes là peut-être. Est-ce qu'on est capable de se les faire? Ah, c'est pas dit, hein. On arrive à le shooter quand même. Les civils, ils sont rendus. Excellent. Alors faudrait qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus d'unités de nuée de reconnaissance à la con qui traîne.
Ici on a des petites meutes de loups, vous au sol, toi grimpe là. Toi tu vas tenir ici, ouais, quoi que non, on va progresser. Viens là, on va récupérer notre ami Kondo. Qui est largement capable de faire des dégâts à des gens. Les lance-grenades à distance des commandos, ils sont vraiment excellents. On a géré l'araignée là, on a géré l'araignée, parfait, on a même pas eu de perte. Excellent. Vraiment excellent. Eux par contre ils sont 8, on peut les mettre nulle part. C'est trop petit ces bâtiments. Donc ils vont rester ici pour le moment, histoire de couvrir un peu ce flanc là. Il va falloir qu'on commence à avancer là, je pense. Ok, c'est parti. Objectif, prendre la station service pour pouvoir se débarrasser de ces enfoirés. Toi, vous êtes capable de tirer jusque là? Oh putain, s'ils sont capables d'allumer ça, c'est vraiment excellent. On dirait que oui. Ok, allons-y. On sort. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est beau. Ouh, excellent. Il vous reste beaucoup d'ATGM? 3 encore, très très bien. Vous sortez, posez-vous là, vous pareil, avancez un chouille, on vous mettra au sol si besoin. Normalement là on couvre les deux arrivées, donc il peut y avoir des trucs volants, mais rien de fondamental on va dire. On va commencer à progresser par là pour prendre, pour essayer de reprendre la station service si on peut, enfin pas la station service, le truc de mécano. Qui était où? Je sais plus. Ah non, il était de l'autre côté de la. Il était là le truc de mécano, zut, on est du mauvais côté. Du coup, demi-tour. C'est plutôt ici qu'on va vous voir. Voilà. Très bien. On va essayer de reprendre le truc parce que lui, là, vu qu'on, si on aide sa sœur, normalement il nous file un truc. Mais bon, après, on a attaqué ce truc là trop tard, je pense. Ok, les renforts arrivent. Donc ici, on est bien, on progresse. On progresse. Vous allez vous coucher, rester là. C'est parti, le Bradley devant, t'es quand même le plus à même de jouer le dégât, on va dire. On va embarquer notre petite tourelle avec nous. Normalement, elle est capable de tirer à distance. Oh, ils ont chopé un truc. Qu'est-ce qu'ils voient ? Pas ça quand même, c'est trop loin. Il y a une araignée. Au sol, au sol, au sol. Oh putain! On recule, vous shootez-moi ça. Heureusement que c'est le Bradley qui a pris parce que les autres là ils auraient, ils s'en seraient pas tirés aussi bien là. Allez, un ATGM dans sa face. Excellent. Euh,
Excellent, excellent. On est un petit peu léger en soutien, mais on a quand même la tourelle là qui se réveille. Par contre, on n'a plus la TGM ici. Il va falloir rentrer ici. On a nettoyé quand même globalement bien comme il faut. Donc on est reparti. Revenez par là, vous. Foncez ici pour le moment. Ici, on avance. Avance en fight jusqu'ici. C'est des refs 6 ça? Non, c'est des homoncules, ça va. Allez, les ATGM sont chargés. Vous prenez ce bâtiment, vous serez bien dedans. Okay. Les civils là. Legion leaves the area, it'll be safe to come out. Good luck. Ici on va retaper un peu parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Oula. Go. Go. Il faut qu'on reprenne cette station service. Je m'excute là. Qu'est-ce qui se passe? Obusier léger tracté. Ok, très bien. C'est des trucs qui nous donnent ça? Non, c'est pas des trucs qui nous donnent. Pour le moment, en tout cas, c'est pas des trucs qui nous donnent. Là, on retape le véhicule. Allez, vous, essayez donc de prendre ça. Vous, pareil. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Non, à terre. À terre. Oh, sa mère. Ah non, c'est un char allié. Putain. Je me disais pourquoi il nous tire pas dessus, c'est un survivant du truc de condo quoi. Waouh. La violence. Je m'attendais à me faire annihiler la tronche. On va mettre au milieu là. Au sol. Hop. Ici du coup il est plus là le mec, on est d'accord. Il y a des petits drones là. Tu peux t'en occuper toi? Ouais, tu peux t'en occuper. J'adore leur fusil sniper. Fusil de précision laser. Ça pique très très fort. Alors, du coup, où on en est? Là, on retape. Ici, c'est bon. Ici, on répare un coup. Ils sont en train d'arriver en masse, c'est parfait. On va pouvoir avancer. Prenez ça, vous. Vous avancez jusque là. Le Bradley. Faut qu'on fasse gaffe à ce qui va nous arriver sur le flanc ici là. Donc tu vas progresser jusque là mais pas trop plus loin. Le char, j'ai l'impression qu'il est en train de se tirer. À la rigueur, si ça les amuse. Objectif secondaire. Pourquoi il nous compte ça comme objectif secondaire? Attendez-vous là. Revenez par là pour voir. Whiteheads are using our own damn tanks. We gotta go. Here we go. Un char Abrams. En arrière. On se replie sur les ATGM. Si reprenez-moi ce bâtiment. It's not moving. Have they run out of fuel? Or it's a Y-head trap to get us in range. Not letting up on them now. We're crossing the river and clearing them out on the far bank. Alors comment on déploie ça? Ok, il faut qu'on déploie sur là.
la petite remorque, c'est parti. Ah, intéressant du coup, vu qu'on n'a pas fait péter la base de Sanctuaire, ils envoient des renforts. Ça c'est rigolo. Enfin, rigolo. Ça se comprend. Je croyais qu'ils avaient, il avait fait péter son truc du coup le major. Il a pas dû réussir. Ok, on progresse. Eux, ils sont lancés. Là on est rechargé, on est bientôt rechargé. Alors techniquement ils pourraient nous prendre de dos hein, mais bon pour le moment il n'y a plus trop de problèmes on va dire. Squad d'armes lourdes, ok. Le petit char il fait sa vie. Il fait ses petits allers-retours, pépouze. Ok, on remballe. Progressez vous aussi. Alors est-ce qu'on pourrait passer pour envoyer un message au camp? La question c'est par où? Par là. Ouais, mais là c'est un peu chaud ce coin là. On ira à la fin. Alors le char du coup il a été abandonné. Ok, donc a priori on pourrait le prendre, même si du coup bah on a pas vraiment ce qu'il faut. On va laisser des mecs derrière un peu pour tenir. Donc, pas la plateforme légère, le fourgon en avant. Pareil là. Notre Bradley il est où? Il est là. Alors on peut prendre ces trucs là. Yes. On va récupérer une plateforme par fourgon. Ça coûte pas cher. On se regroupe sur ce flanc. Toi, je t'ai pas demandé d'avancer. Vas-y, avance. Ils nous ont laissé des trucs derrière. Non, ils nous ont rien laissé derrière. Ok, excellent. On augmente un petit peu notre force de frappe avec ces trucs là. Et je pense qu'on va essayer de prendre au nord du coup. Là, on a quelques mecs. Squad lance-roquettes qui sont un peu perdus, faut dire ce qui est. Donc je pense qu'on va les laisser foncer là et nous on va prendre au nord. C'est parti, les véhicules. Alors le camion, non. Le Bradley, toi. Ils sont pas considérés comme portant des remorques, tiens, c'est rigolo. J'espère qu'ils vont quand même tirer. À partir du principe qu'ils vont réussir à faire le taf. Nous on va. Alors le camion on le laisse dans le coin. On va mettre un peu à l'abri quand même derrière. Couvert par ça. Pour le moment. C'est parti. On avance. Où est notre Bradley? Notre Bradley il est là. C'est toi qui valide l'attaque. Hein. Parce que là il y a du lourd encore. Plateforme de transport ennemi. En train de se replier. Go. Bradley, c'est bon, on l'a déjà lancé. En avant.
Qu'est-ce qu'il est lent par contre. T'es capable de tirer à cette distance? Non. T'es pas capable de tirer à cette distance. Avance. Allez, allez-y, go, vous. Coupez-moi ce bâtiment, histoire d'être un peu à couvert. C'est parti avec les fourgons là. Toi t'es où? T'es là. Allez, on progresse. On progresse. Vous, vous allez par là, vous démerdez, vous faites comme vous voulez bien. Oh, excellent. Ok, du coup là on a nos renforts qui sont arrivés tout seuls sans qu'on ait eu besoin d'y aller. C'est parfait. Alors on va se regrouper. Les squads que j'ai envoyés. On va se regrouper là du coup. On va envoyer notre escouade de pilotes de char choper ça si on peut le gérer. Et sur l'équipement, qu'est-ce qu'on a là? Mitrailleuse lourde à plasma. Est-ce que si je prends... Tac, des gens comme ça. Ah putain, oui, ils ont lâché la remorque. Est-ce que vous êtes capable... Non, vous n'êtes pas capable de gérer ça. Ok, pas de soucis. Vous. Venez me prendre cette remorque, on va reprendre la remorque qui est là du coup. On va envoyer le Humvee ici. Je pense que c'est mort pour le Striker, mais on sait jamais. Allez, on se replie sur le... C'est le truc là-bas. Hop, c'est parti. Bon, du coup, je sais pas si les plateformes qu'on a qu'on s'est collées aux fesses, ils vont nous les lâcher. Ça m'étonnerait. Ce serait un peu trop facile. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Placement d'affût d'armes avec mitrailleuse lourde. Vas-y, viens là. Ok, on a l'Abraham. Ah oui, il est à poil de chat à poil. Okay, donc ça veut dire qu'il faut qu'on récupère cette remorque et qu'après on aille le ravitailler. Pas de soucis, on va le faire. Par contre là j'aimerais bien savoir... Non, il doit nous manquer un truc pour ça. Je ne sais pas quoi, mais on peut pas... Ah, une plateforme légère ici. Bah tiens, on a un fourgon qui a rien, je crois. Ouais, toi. Va nous chercher ça. Et vous go. Et là, du coup, visiblement, on peut rien faire avec ça. C'est bien dommage. Le Humvee. Il est là. Et ouais, non, il n'y a rien ici. Tant pis. On n'aura pas de Striker, on a quand même récupéré un Abraham, c'est pas mal. Toi, reprends ça. Et donc, il faut qu'on sorte par là. Ok, très bien. Allez-y, réparez ça un peu. Je
le camion avec remorque. C'est parti, viens par là. Il est où mon fourgon qui était censé choper ça là? Toi là. Viens récupérer ça. C'est quoi ça? Oula, il bug un peu ce fourgon. Un lance-roquette RPG-7. Ok, c'est du RPG de base. Ah, c'est vraiment dommage si on peut pas, qu'on puisse pas récupérer les mitrailleuses à plasma, elles font quand même vraiment envie. Vas-y, retape-toi. Alors, est-ce qu'on va recharger son carburant à lui? Eh non, on va pas recharger son carburant. Véhicule tracteur principal, est-ce que tu peux aller chercher? Eh non, tu peux pas parce que on n'a pas ce qu'il faut. Enfin, elle est endommagée. Zout. Ouais, elle est détruite. C'est bien dommage ça. Ça serait con de le laisser là ce Bradley quand même. Cet Abrahams là. Ce serait extrêmement dommage. Tac tac tac, comment on peut faire? Ici déjà on a récupéré ce qu'il faut. Est-ce que si on sort eux là, ils sont capables de réparer ça? Ah, ils peuvent faire quelque chose avec ça. Allons-y. Et du coup, le camion tracteur vient jusqu'ici. De toute façon, il va falloir faire des allers-retours si on veut retaper ça. Et là, on a toujours le petit char, hein, mine de rien. Il a réussi à tailler sa route. Le vider, hein. Rien que pour réparer tout ça là, pour charger tout ça. Alors, est-ce qu'on est capable de retaper cette remorque? Il y a des trucs dedans, ça c'est la bonne question ça. Allez-y, réparer. Ouf. Le camion qui arrive en mode gros bœuf. Voilà, on peut le choper, ça y est. Il y a du carburant dedans, excellent. C'est parti. Foncez ici. Donc là, en fait, dedans, il y a aussi des équipes. Ok, on a récupéré plein de monde. C'est excellent. Si on peut choper cet Abraham là, on va être bien. On n'a qu'un seul camion tracteur par contre. C'est le seul truc qui peut tirer ce genre de remorque. Il y en avait un là mais il s'est fait annihiler, non? Ouais. Il y avait des trucs ici quand on est arrivé sur le champ de bataille mais ça s'est fait défoncer. Faire un petit tour sur les différents véhicules, mais ça m'étonnerait qu'on en trouve un autre. Peut-être ici. Non. Né. Tout ça, c'est annihilé. Du coup, toi, t'es arrivé. Excellent. Hop, on déploie ça. Et on se recharge ce Abrahams. Voilà, c'est parti. Et je pense que du coup on va plutôt se reprendre cette remorque là. Rangez-vous, vous. C'est cool d'avoir un petit peu de temps de gestion comme ça après à la fin de la mission. J'ai oublié que nos renforts étaient immobilisés là.
Bon bah du coup, on va même commencer à aller par là je pense hein. Toi, tu peux décoller. Stop, non, tu vas embarquer eux parce qu'ils vont pas y aller à pied. Et on peut mettre personne dans le char en tant que passager. On va juste vider au ras du ras la remorque de carburant. Et en nos véhicules, ça va. Globalement, ça va. Le MV. Ah, le MV, il est moitié quand même. Hein. On va ramener nos véhicules là, faire un coup de plein. Toi c'est bon. Toi t'es plein. Ok, vas-y, en route toi. Du coup lui on va le lancer, on va pouvoir... voilà, hop, en avant. Le dernier qui vient sera ravitailler. Partira avec les ingés. Allez, on se replie les gars. Très bon taf. Là, le Bradley il est mi-carburant. Alors, vu comme ça coûte hyper cher à faire en fait hein, sur la carte de campagne, c'est pour ça que je préfère le faire là, quitte à prendre un petit peu de temps sur la mission. Putain, il a pleine vitesse le pauvre. Go go go. Des petites smokes. Toi c'est pareil, tu peux pas mettre ça sur ton affût, non. On verra, on aura peut-être un tuto pour ce truc là. Hein. Reculer, ouais, toi tu peux pas prendre de remorque. Allez vas-y, recharge ton carburant. Excellent. On remballe. Vous sortez. Montez là-dedans. Et c'est parti. On sort. Donc le camion est sorti. Ouais, ok. Il faut qu'ils arrivent dans la zone. Qu'ils restent dans la zone un petit moment et ils sortent. Ok. Très bien. Et du coup ils ont laissé les plateformes alliées derrière. Parfait. Donc il nous reste plus que lui qui va repartir tranquillou bilou. Mais on en a laissé qu'une, donc ça veut dire qu'il y en a quand même une qu'on a récupérée d'une manière ou d'une autre. C'est parfait. Bon, le petit Bradley, il va faire sa vie, il va sortir. On va arrêter l'épisode là, parce qu'avec ça, sa vitesse de pointe, ça risque d'être un petit peu long. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.